Bonjour du matin. Bonjour ce matin. Comment ça va? C'est lundi matin. J'ai du mal encore ce matin. Il est 7h52 en ce lundi matin et on va rester ensemble jusqu'à, je pense, 8h52 du coup. 8h45, 47, peut-être 50. On verra. Comment allez-vous? Bonjour Franck, bonjour Mimi Leuse, bonjour le popote, bonjour à vous du matin, bonjour matinalier du matin. Est-ce que j'ai la voix enrouée? Oui, c'est bizarre d'ailleurs, parce que je pensais pas avoir la voix enrouée. Donc je dois être malade aussi. Oui, je vais quand même aller au travail aujourd'hui quand même. Parce que... Alors si jamais vous entendez quelqu'un tousser, c'est mon amoureux qui est malade, comme à lundi, et qui est allongé. Et peut-être nous le verrons tout à l'heure, quand il se lèvera. En tout cas, on n'est pas en forme ce matin. Voilà, c'est l'hiver. C'est l'hiver, il fait 35 degrés. Il fait froid du matin et chaud de l'après-midi, ouais, t'as raison. C'est vrai qu'il va faire chaud aujourd'hui. Du coup, j'ai mis ma nouveau Bombers. Il est joli, j'aime bien. Qui respire en plus, bien pour la mi-saison, c'est cool. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression d'être en été quand même. Enfin là, il fait froid. Il fait froid le matin. Et puis, a priori, il va faire super chaud aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce que dit la météo? On va aller voir ça. Hop là, la météo dit, là où je suis, donc je suis à Juvisy, bloqué, ouais, parce que ça va quoi, qui va faire aujourd'hui 27 jusqu'à maximum 27 degrés, ce qui est énorme pour un 9 octobre, ah j'ai pas dit la date, on est le 9 octobre, on est en plein été quoi, il va faire 27 degrés, c'est l'été en Normandie, ouais non mais c'est bizarre quoi, c'est bizarre cette température là. Comme si le climat était déréglé. Ah bon? Mon Dieu. Je vais aller rentrer vite dans le vif du sujet, parce qu'on a plein de choses à voir encore ce matin. Pardon, parce que j'ai un article qui a été publié ce matin dans les actus du matin et j'ai trouvé ça drôle. On lira plus tard, pas aujourd'hui d'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas le temps. Il y a beaucoup beaucoup d'articles à lire avant. Ça va être un peu long. Ça va être un peu long? Ça va être un peu long. Je reprends, je remonte. Je remonte, voilà, on en était là. Ça a été envoyé. Quelqu'un m'a envoyé ça. Je ne me souviens plus qui. Je crois que c'est mon amoureux qui m'a envoyé ça. Qui m'a envoyé un site qui s'appelle Nos gestes climatiques. Bah, ça tombe bien en fait qu'on en parle. C'est le moment. Parce que bah, du coup, il fait très chaud.
Et je ne sais pas si vous aviez déjà été dessus. Moi, il me semble que j'avais déjà été dessus il y a un petit moment. En 10 minutes, connaissez-vous votre empreinte énergétique, votre empreinte sur le climat? Attends, je vais me mettre là, ça va être mieux. Bonjour, je cap. En 10 minutes, obtenez une estimation de votre empreinte carbone de consommation. Alors, faire le test. Peut-être un peu personnel comme site. C'est nosgestesclimat.fr. Avec un S à geste. Mon empreinte climat. Pas de panique, on vous explique ce que c'est. La planète se réchauffe dangereusement au fur et à mesure des gaz à effet de serre que l'on émet. Ce test vous donne en 10 minutes chrono une mesure de votre part dans ce réchauffement. On le mesure comment? Avec une unité au nom barbare, l'équivalent CO2. Le dioxyde de carbone, vous le connaissez, on l'expire toute la journée, mais sans influence sur le climat. Ce sont les machines qui font notre confort moderne, qui en rejettent massivement, à tel point qu'on le compte en milliers de kilos par an et par personne, donc en tonnes, le CO2 de CO2 équivalent. CO2E équivalent. D'autres, alors, de CO2E. Que veut dire ce petit E? Très bonne question. D'autres gaz, surtout le méthane et le protoxyde d'azote, réchauffent aussi la planète. On convertit leur potentiel de réchauffement en équivalent CO2 pour simplifier la mesure. Donc on va dire CO2 équivalent. Et l'objectif, nous devons diminuer notre empreinte climat au plus vite. En France, ça consiste à passer de environ 10 tonnes à moins de 2 tonnes par an. Pour en savoir plus, tout est expliqué dans cet article. 15 minutes de lecture. C'est quoi cet article? Waouh. 15 minutes de lecture, c'est peut-être un peu long. Est-ce qu'on va le lire? On va le lire. On va pas faire le test, nous, ce matin, mais on va lire l'article, par contre. Le budget et l'empreinte carbone, c'est quoi? Le climat est partout, même en pleine crise du coronavirus, de nombreux articles nous rappellent que le dérèglement du climat prendra le relais des mauvaises nouvelles. Preuve que le sujet inquiète. Il mobilise des chefs d'État et organisations internationales qui ont pris l'habitude de se regrouper chaque année dans une ville différente lors des conférences des parties, les COP, la COP, la conférence des parties. Donc COP 21, ça veut dire conférence des 21 parties. Salut Manon, ça va? La 26e édition de ces COP aura lieu. Ah bah non! COP 21, c'était la 21e rencontre des parties. La COP 27, c'est la 27e. La COP 21 avait lieu à Paris, c'est pour ça qu'on avait une grosse communication autour de ça. La 26e édition de ces COP aura lieu en 2021 à Glasgow. Donc 27e 2022, 28e 2023. Donc là, cette année, c'est la 2020, 2023, donc c'est la 28e. Les COP s'enchaînent, mais avec quel succès? Donc, la première COP a eu lieu là, et la COP 21, avec les accords de Paris, a eu lieu là. Donc, on est sur la 21e, je sais plus quand c'était. Les accords de Paris, c'est enfin l'accord de Paris, d'ailleurs. C'est là où ils ont décidé qu'ils allaient arrêter de polluer, mais en fait, il faut rien. Et on voit que ça continue à augmenter. Notre objectif. Mais quel est exactement notre objectif? Nous devons baisser nos émissions de gaz à effet de serre en dioxyde de carbone CO2, le principal dont on entend toujours parler, mais aussi en méthane CH4, en protoxyde d'azote N2O, etc. Pour simplifier, un calcul savant permet de tout résumer à un équivalent CO2 abrégé en CO2E. Une seule mesure pour les gouverner tous. La référence, waouh. COP 21 a été très décevante. En 92, ils avaient déjà pris conscience des problèmes. Bah oui. Mais c'est pas 92, je crois, la première COP. C'est 92? Le E de CO2E n'est vraiment pas un détail. Un voyage en avion Paris-New York émet une tonne de CO2, mais 2 tonnes de CO2E. Ah ouais. Lisez ce lexique pour aller plus loin. On va peut-être pas lire non plus les trucs qui sont dans les trucs. Pourquoi se soucie-t-on de ces gaz? Plus nous en rejetons, plus ils s'accumulent dans l'atmosphère en réchauffant la Terre. Aujourd'hui, sa température moyenne a déjà grimpé de plus de 1,2 degré par rapport aux années 1900. Même pas 90, c'est 1900. En épluchant les nombreuses études scientifiques très peu réjouissantes sur les conséquences du réchauffement, les États du monde ont tranché fin 2015 lors de l'accord de Paris. Il faut tout faire pour limiter la hausse nettement en dessous de 2 degrés et faire au mieux pour la limiter à 1,5 degré. Nous marchons vers la catastrophe. Manifestement, nous n'avons pas pris cette direction. Les Nations Unies ont sondé les ambitions de chaque pays,
ce plan de route que nous les terriens empruntons et que l'on impose au reste du vivant nous dirige vers 3,2 degrés de réchauffement, en supposant que chaque État tienne ses engagements. Est-ce vraiment catastrophique ? Oui. Nous le savons, notamment grâce au GIEC, un effort international de collaboration sans précédent qui étudie et résume les publications scientifiques de plus en plus abondantes sur le sujet. Nous avons toutes et tous en tête les types de conséquences, hausse du niveau de la mer, de la fréquence et de l'intensité des canicules, sécheresses, cyclones, etc., entraînant famine, migration, disparition d'espèces, etc. Le copain oblique. C'est vrai que non, c'est pas ouf. 92, c'est la conférence de la Terre à Rio, créée par l'ONU. Ok. Ah oui, d'accord. Mais il reste difficile de se figurer leur ampleur. Regardons rapidement les projections de canicule en France dans le scénario du pire. Donc les records observés entre 50 et 2005, donc entre 1950 et 2005. Les records possibles à partir de 2050. Waouh. C'est ouf. T'as vu la température là ? En Alsace, il ferait plus chaud qu'à Marseille, quoi. C'est grâce à la mer, il fait plus frais. Cette carte seule est parlante, mais elle l'est encore plus quand on compare le nombre de morts des canicules récentes à ceux de la crise sanitaire du coronavirus. Décès quotidiens chaque année depuis 2010. Donc en jaune, on a la canicule été 2003. Là, c'est quoi ? 1er avril 2020. Je sais pas ce que c'est, 1er avril 2020. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est les morts de la canicule, ça ? Grippe de Hong Kong, 1969. Ah oui, c'est le Covid, d'accord. Oui, je suis con. C'est le Covid. Canicule 76, canicule 83, canicule 2019. Merci Franck. Il y en a un qui suit. Donc ça, c'est les morts du Covid. Je ne note pas. La grippe saisonnière 2017-2018, avec un pic en mars 2018. C'était pas violent, hein, la grippe saisonnière, finalement. Hiver 2014-2015. La grippe de 2016-2017. Hong Kong en 70. Voilà. Canicule ici. Et puis voilà, canicule de 2003, en fait, elle a été très très violente. Insistons aussi sur la rapidité inédite du réchauffement que nous provoquons. Nous modifions notre climat à l'échelle du siècle, quand les précédents réchauffements naturels se sont étalés sur des périodes bien plus longues permettant une meilleure adaptation du vivant, comme l'illustre cette frise dessinée en anglais. Waouh. Elle est longue, la frise. Waouh. Ça, par contre, c'est violent. Tu vois que la frise, elle a augmenté tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La chaleur a augmenté tout doucement depuis 17 500, 20 000 avant Jésus-Christ. Et là, on voit que, pouf, juste depuis 2000, elle est arrivée d'Internet. Ça coïncide, hein. C'est lié. Bim, c'est violent. Bonjour Maraboustache. Ça va ? Pourquoi est-ce si difficile d'agir ? Pour tenir un objectif en degré de réchauffement, il faut limiter nos émissions de CO2. Idem pour les autres gaz à effet de serre. Mais dans la suite de l'article, nous allons nous concentrer sur le CO2. Quelle est la limite ? Le calcul est compliqué. Les scientifiques modélisent les océans, les terres, les nuages, comme dans un jeu vidéo ultra réaliste. Mais heureusement, il en résulte un résumé plutôt simple à comprendre. Réchauffement, budget le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2020. 1,5, 1,75, 2 degrés, 420, 800, 1,170 et 2020 c'est 336, 716, 1,086. Ah, c'est des milliards de tonnes.
Il garde tonnes de CO2. C'est la merde, ouais, c'est un peu ça. Ce tableau nous dit, pour avoir 2 chances sur 3 de rester sous les 1,75 degrés de réchauffement, il faut que le monde émette moins de 716 milliards de tonnes de CO2 à partir du 1er janvier 2020. C'est le budget CO2 total restant pour notre civilisation. Dans la suite de cet article, nous allons viser cet objectif de 1,75 degré. Vous vous demandez peut-être, est-ce que la planète ne nous donne pas des rallonges de budget au fil des années ? C'est vrai, la Terre absorbe naturellement une partie de nos émissions de CO2, grâce à ce qu'on appelle des puits de carbone. L'objectif est justement de revenir à ce niveau d'équilibre et ne pas émettre plus que la Terre ne peut en absorber. C'est ce que l'on appelle la neutralité carbone, et nous en sommes très loin aujourd'hui. Et en France ? Très bien, le monde a un objectif simple à tenir, 716 milliards de tonnes. Simple mais pas vraiment parlant, ça fait combien en tour Eiffel ? Pour le rendre concret, il faut répartir ces milliards par pays. Quelle est notre part du gâteau en France ? Il y a 1000 façons de régler ce problème diplomatique. Doit-on considérer que les pays industrialisés de longue date qui ont déjà consommé leur part laissent place aux autres, ou faut-il justement être plus indulgent envers ces pays qui partent de très haut, amortir leur chute ? L'option la plus objective pourrait être de donner à chaque terrien un budget égal, mais de lancer les décomptes au 1er janvier 2016, au lendemain de ce fameux accord de Paris, comme le propose cet article. Par exemple, il y a environ 2 fois moins de Canadiens que de Français, le budget du pays est donc la moitié du nôtre, et pourtant le Canada émet 3 fois plus de CO2 par habitant que nous. Waouh ! Ils ont donc très violemment entamé leur budget depuis 2018, et leur effort devrait être colossal. Qui prend les émissions de mon smartphone ? Un point important vient nuancer ces calculs. La France s'est désindustrialisée. Le Minitel a été construit en Alsace, le dernier smartphone l'est en Asie. Si l'on considère que le citoyen qui s'achète une télévision HD est responsable de l'ensemble des pollutions de son achat, on parle alors de son empreinte carbone. Idem pour le pétrole, si le litre d'essence brûlé par ma voiture est comptabilisé sur le territoire France, n'oublions pas que ce pétrole a été extrait pour mon usage, par exemple en Arabie Saoudite. Ci-dessous, on peut voir que les émissions de l'immense fabrique qu'est la Chine sont rééquilibrées avec cette approche par empreinte. En France, nos émissions nationales de CO2 baissent, mais pas notre empreinte, et qui reste constante depuis 1990, alors que l'on avait déjà prévu de la baisser. Donc là, on voit, c'est la comparaison internationale des émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie selon les approches, en gigatonnes de CO2. Là, on a l'Amérique du Nord, ici. Là, on a l'UE à 28, ici. Et ici, on a la Chine. On a l'Inde en dessous et l'Afrique. Et donc, l'empreinte est en tirée ici. Et le territoire, du coup, est en ligne pleine. Merci les délocalisations, t'as raison. Donc, la bande bleue, c'est l'importation nette. Et la bande verte, c'est l'exportation nette. Ouais. La bande bleue, c'est l'importation nette. La bande verte, c'est l'exportation nette. On voit que la Chine consomme quand même beaucoup et produit beaucoup, mais ça se rattrape au niveau des pays. Oublions maintenant l'approche par pays et les complications des délocalisations pour adopter l'échelle de l'individu. Nous disions plus haut qu'il nous faut limiter nos émissions à venir à 700 milliards de tonnes de CO2. Ça tombe bien, nous sommes à peu près 7 milliards d'humains. Mon budget carbone personnel est donc de 100 tonnes de CO2 pour rester sous les 1,75 degrés. Est-ce beaucoup ? D'après le ministère de l'Environnement, un Français a émis en moyenne 8 tonnes de CO2 en 2018. Rappelez-vous, les budgets carbone du GIEC sont donnés en CO2 uniquement, donc nous mettons de côté les 3,2 tonnes de méthane et autres gaz à effet de serre émis. 100 tonnes de budget, dont 8 tonnes grignotées tous les ans, cela nous permet d'atteindre 2032. Super, on a donc 12 ans avant de s'y mettre. Donc on taxe les produits par consommation carbone et hop, gros effort. Non, bien sûr, comme on le voit... Donc là, on le voit, hop, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Comme on le voit sur le graphique ci-dessus, il est irréaliste de viser la neutralité carbone en 2032 et de ne rien faire d'ici là. La chute sera insoutenable. Pour descendre une montagne, on trace un chemin qui serpente pour amortir la pente. De même, plutôt que de parler d'objectif de tonne ou même objectif une tonne en 2050, il faut tracer un scénario qui respecte le budget année par année. Et du coup, ça nous amène en 2045. Ici, on a doublé le temps de l'effort, mais on a coupé le triangle en deux pour garder un total de 100 tonnes de CO2. Un rapide calcul nous montre alors l'ampleur de l'effort à faire.
chaque année jusqu'en 2045. Moins 4% de notre empreinte actuelle chaque année, donc 320 kg de CO2 à émettre en moins chaque année par rapport à la précédente. Et si nous ne faisons rien pendant 5 ans, ce que nous avons fait jusqu'à présent, l'effort sera d'autant plus important et probablement impossible les années suivantes. Construire les scénarios de réduction en une réduction de 320 kg chaque année, est-ce conséquent ? Chacun a une appréciation différente de cet effort. Mais il est intéressant de l'illustrer par des choses concrètes de notre vie quotidienne. Voici un exemple de scénario qui correspond à peu près à cette réduction annuelle. À partir de 2020, je fais 2000 km de moins en voiture ou covoiture 20 km par jour. À partir de 2021, je renonce à mon vol annuel vers la Croatie, mais pas à mes vacances. Il est possible d'y aller en train via Paris, Venise, de nuit. En 2022, j'enlève définitivement de ma liste de courses 2 steaks de bœuf par semaine, si c'était toujours le cas. À partir de 2023, je baisse la température de chez moi de 1 degré et j'achète un magnifique pull en laine qui va durer 10 ans ou plus. En 2024, je divise définitivement par 3 ma consommation d'alcool, si j'en buvais, ou je me limite aux bières locales servies en pression. En 2025, je ne renouvelle pas mon ordinateur portable, je peux en acheter un d'occasion ou le garder 5 ans de plus. Vous l'aurez compris, ce ne sont que des exemples, il y a beaucoup d'autres chemins pour y arriver et aucun programme rigide de ce type ne sera imposé. Limiter le risque ou atteindre l'équilibre. Nous venons d'explorer le scénario qui nous permettrait à limiter le réchauffement à 1,75 degré. Or, nous avons chacun le choix de faire bien mieux que ces budgets carbone qui ne font que limiter les dégâts climatiques en s'approchant dès cette année 2020 d'un style de vie soutenable à moins de 2 tonnes de CO2 par personne, à l'équilibre avec la capacité annuelle de notre pays à absorber nos émissions, chaque dixième de degré compte. Nous sommes 7,5 milliards à bord. Mais nous ne sommes pas les seuls acteurs à bord. Cette approche individuelle a le grand mérite de nous faire comprendre l'ampleur de l'effort requis, mais de bien évidemment s'associer avec ceux, malheureusement insuffisants jusqu'à présent, des entreprises. On peut espérer qu'un ordinateur en 2025 n'émettra plus que 100 kg de CO2 et ne devra plus être renouvelé aussi souvent. De l'État, via ses propres émissions, les services publics, auxquels on ne peut simplement pas renoncer individuellement, représentant 1,5 tonne de CO2 par an par personne, ou via des lois qui encadrent la production et la consommation. Des autres pays, il va de soi que si la moitié des pays décident de ne pas faire d'efforts, l'effort des autres ne sera pas vain, mais ne suffira pas. L'action individuelle et l'action collective sont intimement liées, et toutes les deux nécessaires, alors prêt à trouver vos 320 premiers kilos à perdre. Putain. Eh bien oui, c'est très intéressant comme approche, sauf que chacun pour soi, ça ne fonctionne pas, il faut aussi qu'il y ait des politiques qui soient menées. Alors je ne sais pas du tout, enfin voilà, les politiques menées ne sont pas du tout à la hauteur, mais bon. On taxe les produits par consommation carbone et hop, gros effort. Ça, ce serait pas idiot. Salut Zaza, ça va ? Oui, pour une fois, tu es matinale. C'est marrant. Pas doumé challenge. L'avenir est sombre, oui. Bon, on va essayer de positiver un peu là, tout de suite maintenant, tout de suite dans l'immédiat. Avec un petit chat, je pense. On a des chats là ce matin. On a quoi ? On a des chats. Allez. Ah oui, non, c'est pas un chat. Vous avez le son ? Oui, vous avez le son. À plus ! Oh, bien sûr, c'est réalisé avec trucage, parce que le gars a toujours le même t-shirt tous les jours. Alors, ce qu'on va voir est difficile, donc je vous préviens maintenant. Après, on vient de parler de réchauffement climatique, changement climatique, donc ce qu'on va voir est très difficile. C'est des dauphins qui sont morts à cause d'une eau trop chaude. Donc, attention,
Si pour vous c'est trop difficile, vous pouvez couper tout de suite le live. Et revenir dans 5 minutes. Quand même. No momento nós tivemos uma contagem mínima de 120 carcaças. Hein? Feito uma série de análises e de campanhas de monitoramento ambiental aqui no Lago Tefé, é que a temperatura da água esteve muito elevada. No dia da mortandade, em certos pontos, passou da marca de 39 graus Celsius a temperatura da água, o que é um valor extremamente elevado, muito acima da média. Alors, c'était par rapport à... Donc, on fait sans transition drôle et mignon. Quelqu'un qui avait... On avait parlé il n'y a pas très longtemps des agents immobiliers avec Stéphane Plaza. Et c'était... Alors, je ne sais plus qui... quelqu'un qui était passé nous voir et qui avait posté une vidéo de... Enfin, qui nous avait parlé d'un sketch. Donc ça, c'est Naïm, du coup, le sketch. On va regarder ce sketch. Bonjour Estia. Bon lundi à toi. Moi, ce qui m'embête un peu avec les agents immobiliers, c'est que quand tu visites un truc, tu poses des questions et trois quarts des réponses, c'est « je vais me renseigner ». Tu sais, tu dis la cuisine, ah bah, je vais me renseigner. Et le parquet, c'est du « ouf, alors là, je vais me renseigner ouais. ». Et le plafond, il y a de la mienne, « je vais me renseigner ». Mais qui es-tu? À quoi tu sers, mon ami? Si ton job, c'est être porteur de clés professionnel, va bosser chez Fort Bayard, t'as rien à foutre ici, quoi. Tu rentres dans l'appart, il te dit, alors là, c'est la cuisine, là, c'est la chambre. Ah bon? Putain, mais heureusement que t'es là, mon ami. J'étais à deux doigts d'aller dormir dans l'évier, merci. Les honoraires sont mérités, amplement, amplement. Là, on a visité un truc, il y avait une porte, il n'y avait pas de poignée. Je dis, il y a quoi derrière la porte? Il me dit, derrière la porte? Je vais me renseigner. Moi, ce qui m'embête un peu. Alors, la suite, ben, on va rester dans le thème, en fait, de la journée, hein, visiblement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est grosse coïncidence. On va rester dans le thème avec un article de Le Monde, je crois. Oui, c'est ça, Le Monde, du 3 octobre 2023, sur Greenpeace. Greenpeace France, une entreprise comme les autres, avec surcharge de travail et climat social difficile. Bonjour, Flynick. Un article, donc, de Jules Thomas, qui date du 3 octobre dernier. La croissance de la structure associative a récemment engendré des conflits entre salariés avec la direction qui dit reconnaître des dysfonctionnements. Je me mets à la place de Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total Energy, qui va bien se marrer à la lecture de l'article. Lundi 25 septembre, en réunion hebdomadaire et dans une ambiance tendue, le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, regrette l'attitude des salariés qui ont parlé au Monde, arguant qu'un article à charge contre la structure nuira à la collecte de dons. Je leur ai dit que j'étais triste et en colère et que parler à la presse était un exercice risqué, se justifie Jean-François Julliard. Une vingtaine de témoignages de salariés, ex-salariés et militants font état d'une charge de travail élevée et d'un climat social très difficile dans le bureau français de l'ONG internationale qui compte 150 personnes en CDI. La quasi-totalité d'entre eux ont souhaité garder l'anonymat de peur de conséquences sur leur carrière. La colère gronde aussi du côté des bénévoles qui estiment ne plus avoir voix au chapitre. Karine Michiel, militante et membre démissionnaire de l'Assemblée statutaire qui représente les adhérents, devait envoyer mercredi 4 octobre une lettre à l'ensemble des adhérents pour dénoncer un déni de démocratie. Elle déplore notamment l'opacité de la direction à chaque question posée en Assemblée. On me rétorquait que j'étais agressive et pas bienveillante. J'ai rejoint Greenpeace pour combattre les multinationales, mais j'ai combattu une multinationale pour l'instant, c'est Greenpeace. Davantage de syndiqués. La difficulté à s'exprimer en interne relève un paradoxe entre l'illusion d'évoluer dans une grande famille où l'on lave son linge sale en famille et la réalité de la direction de l'association jugée tantôt absente, tantôt brutale et n'appréciant pas vraiment les critiques. Un salarié présent dans la structure depuis plusieurs années évoque une gêne quand des membres de la direction discutent dans les parties communes du siège.
On est embauché car on est des personnes vindicatives qui veulent agir. Mais dès qu'on fait remarquer quelque chose en interne, on nous agresse et nous fait comprendre qu'on est des privilégiés par rapport à d'autres associations, déplore une employée. Ouais. Red flag, en effet. Or, depuis 20 ans, les effectifs de Greenpeace France n'ont cessé de croître et sa structure se rapprocher d'une entreprise classique. Naissance d'un service RH, création de postes de management intermédiaire et délimitation stricte des périmètres de chacun en 2015. Ce qui a généré des conflits fréquents entre pôles ou salariés, parfois arbitrés de manière autoritaire par la direction, ainsi qu'une multiplication des réunions et des processus de validation avant de réaliser une action ou de produire un rapport. Petit à petit, une contestation grandit en interne. Le côté très hiérarchique est au cœur de Greenpeace. Le patron est comme un capitaine de bateau, témoigne une ancienne cadre, mais ce n'est plus adapté aux salariés qui rejoignent l'association et veulent de l'équité et de la justice. Dans ce contexte, depuis 2020, le nombre de syndiqués, assos solidaires, est passé de quelques-uns à une trentaine, du jamais vu chez Greenpeace France. Les reproches vont au-delà de la section syndicale qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Avant, on se disait qu'on n'avait pas le temps de penser à ça car il fallait sauver le monde, mais maintenant on est de plus en plus à être soucieux du dialogue social, de la grille salariale, des jours de télétravail, et la direction essaye de contenir cet intérêt, souligne une personne en poste. Que trois burn-out. Jean-François Julliard reconnaît les difficultés rencontrées. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas bien dans la structure. Est-ce que c'est pire qu'avant? Je ne sais pas. Il explique cette souffrance par l'irruption des questions climatiques dans le débat public. Ça nous met une pression supplémentaire, compliquée à gérer. L'éco-anxiété a créé des frustrations, des attentes importantes. On me demande souvent à quoi on sert. Il cite aussi les actions RH développées en interne pour résoudre les problèmes. Une responsable qualité de vie au travail a été recrutée. Un accompagnement par des psychologues ou médiateurs est proposé. Et un baromètre interne permet de sonder les équipes. 15 personnes remontent en septembre des difficultés sur leur rythme ou leur charge de travail et ces personnes sont suivies, explique Swapna Filatrio, la DRH. Il n'y a eu que 3 burn-out ces dernières années et le taux d'absentéisme est à moins de 4%. Malgré ces efforts, des cas individuels emblématiques ont récemment relancé la division entre salariés de la structure, à commencer par Clément Sénéchal, chargé de campagne climat, l'équivalent d'un porte-parole thématique. Ce dernier a été licencié en novembre 2022 pour usage excessif de sa liberté d'expression à la suite d'une dispute sur Twitter avec François Géménet, politologue et co-auteur du 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Ce dernier avait condamné le jet de soupe par des militants écologistes sur des tableaux. Salarié trop à gauche. Pour plusieurs témoins, ce licenciement a été justifié car Clément avait eu de nombreux avertissements pour son comportement en interne et sur les réseaux. D'autres évoquent une violation grave de la liberté d'expression et un prétexte pour se séparer d'un salarié trop à gauche. Il n'y a pas de censure, mais un cadre d'expression, réagit Monsieur Julliard. Clément Sénéchal a déposé le 3 octobre une requête au prud'homme pour prouver que le licenciement était opportuniste et infondé. Moi, je n'ai pas bossé chez Greenpeace, non. Non. Non, mais ce qui se dit là ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu chez Europe Écologie Les Verts, ouais. Beaucoup. Nous, on avait un taux d'absentéisme plus élevé. On avait des personnes qui étaient en arrêt de travail. On a eu une personne qui s'est suicidée pendant la période où je travaillais là-bas. Et moi, j'ai fait un burn-out hein, aussi quand je travaillais là-bas. Donc tout ce qu'on lit là ressemble beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu de mon côté. Et ce que j'ai vécu aussi au Parti Pirate dans une moindre mesure, parce que je n'étais pas salariée. Mais ça a beaucoup d'écho, ce que j'ai là, a beaucoup d'écho sur ce que je vis aujourd'hui, et ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Certains qui témoignent de leur satisfaction dans leur poste estiment que leurs collègues exagèrent. Une liste composée pour bonne partie de managers s'est montrée aux couleurs du syndicat révolutionnaire CNT pour rendre le pouvoir aux salariés. Du syndicat révolutionnaire CNT pour rendre le pouvoir aux salariés, face à Asso Solidaire jugé trop politique. L'élection du CSE, prévue le 25 septembre, a été reportée officiellement car la liste CNT n'avait pas le bon logo. Un ancien de l'association, passé par beaucoup d'ONG, attribue cette effervescence syndicale au Covid-19. Il y a un phénomène de vague avec beaucoup de salariés du monde engagés qui se sont rendus compte qu'ils ne voulaient plus accepter des situations qui n'allaient pas. Mais en voulant pointer du doigt ce genre de problème, ils deviennent le problème. Conscient de ces débats et aussi des difficultés de l'association, M. Julliard dit travailler sur 4 axes. Comment augmenter nos ressources financières, réduire nos charges, optimiser le fonctionnement des équipes et mener une réflexion sur le modèle de la gouvernance. En mai, j'ai dit qu'on avait un modèle qui ne tenait plus à Greenpeace France. Si on ne change pas les bonnes choses à différents niveaux,
Si on ne change pas les choses à différents niveaux, on va dans le mur. Monsieur Julliard, j'ai peut-être des suggestions à te faire au niveau de la gouvernance. Voilà. Maladie infantile des organisations militantes, ça, sous prétexte qu'on agit pour le bien commun, on se permet de déroger aux règles élémentaires en interne. Ça me rappelle aussi pas mal de trucs. Ah, c'est le management à la française, comme tu dis. Enfin, c'est pas le management à la française, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que simplement à la française, malheureusement. Mais ouais, ça fait écho à beaucoup de choses que j'ai pu vivre de mon côté dans le cadre militant et dans le cadre professionnel aussi, beaucoup. On attend de toi que tu sois 100%. C'est pas 100% de ton temps, c'est pas 35 heures, hein, 100% des 35 heures. C'est 100%. Matin, midi, soir, nuit, déjeuner, dîner, petit déjeuner, tout, la totale. Que tu sois présent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche compris. Et ça, c'est pas tenable, en fait. Tu peux pas demander ça à des salariés. Les salariés, ils ont envie d'avoir une vie à côté, en fait. Donc tu peux pas imposer à des gens de travailler 100% de leur temps. 100% de leur temps, t'imagines ? Enfin, c'est beaucoup trop. No idea why he does this. My working... Lama! Mon chat a déjà fait ça. Bon allez, on va regarder Elisabeth Borne. Ça parle de harcèlement scolaire maintenant. Ouais, le pauvre. J'ai pris l'habitude. On va reprendre. Parfois, on a tellement pris l'habitude d'être harcelé qu'on réalise même plus que c'est pas normal. L'idée, c'est qu'un jeune qui remplit la grille, à la fin, il peut savoir s'il est en vert, en orange ou en rouge. Donc la grille d'auto-évaluation, elle doit permettre de déjà repérer sur soi-même si on est vraiment dans une zone, si tout va bien ou si ça va vraiment pas bien. Et là, il faut absolument aller se confier. C'est possible de généraliser les grilles d'évaluation, d'auto-évaluation dès le CP, mais tout simplement avec des images, avec des mots adaptés aux enfants, parce que notamment moi, pendant mes interventions, j'ai des élèves de CP et de CE1 qui m'ont déjà fait remonter des cas de harcèlement, qu'ils avaient conscience de ce qu'ils vivaient, ils avaient conscience qu'on les insultait, qu'on les frappait. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais vous proposer, Madame la Ministre, de créer des grilles d'une manière générale, qui ne sont pas anonymes. Parce que là, en l'occurrence, ça va être un petit peu le jeu du chat et de la souris, parce que là, les professeurs vont devoir deviner qui est victime de harcèlement ou bien qui est victime de violence au sein de la classe, alors qu'au contraire, si on donne la possibilité aux enfants de remplir un questionnaire avec leur nom, là, au moins, les professeurs sauront qui est victime de harcèlement au sein de la classe et pourront agir. Et moi, pour ma part, si on m'avait donner un questionnaire pour me demander si j'étais harcelée ou pas, ça ne m'aurait pas forcément aidé parce que justement, je n'avais pas eu de formation de prévention. Donc déjà, avant de proposer un questionnaire, il faut absolument généraliser la prévention dans toutes les écoles et je pense dès le CP parce que les enfants, moi, c'est ce que j'ai pu constater, les enfants comprennent ce qu'il se passe dès lors où on leur met des mots sur ce qu'ils vivent en fait. Et oui, elle a raison. Avant de mettre des grilles d'évaluation, il faut former les enfants pour savoir qu'ils puissent comprendre qu'ils sont en train de vivre un harcèlement, en fait, ou qu'ils sont en train de harceler aussi, parce qu'il y a des enfants qui ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils harcèlent des enfants.
Et du coup, les profs sont complices, oui, aussi, les enfants ne savent pas, en fait. Les enfants ne savent pas. Les profs sont complices, ouais, bon, je confirme, oui. Enfin, pour l'avoir vécu aussi. Je vous avais dit déjà, hein, moi, j'ai été dans les deux, des deux côtés. J'ai été harceleuse avant, quand j'étais toute petite, et j'ai été harcelée après. Et j'ai compris, quand j'ai été harcelée, que j'avais été harceleuse avant. Et du coup, c'est quelque chose qui est très difficile, surtout quand tu l'es par tes enseignants. Et moi, c'était aussi les enseignants qui me harcelaient quand j'étais à l'école. Donc, c'était parce que j'étais bonne élève, mais j'étais une tête brûlée, en fait. Du coup, je m'en prenais plein la gueule par les enseignants. Et comme je déménageais souvent, bah, les enfants étaient, bah, y avait pas de, enfin, ils faisaient pas de cadeaux, quoi. Je suis pas sûre qu'un enfant sache qu'il est harcelé, en fait. Y a des enfants, peut-être, qui pensent que c'est normal d'être dans cette situation. Moi, je pensais, enfin, c'était, on avait minimisé tellement la situation que j'estimais que c'était des comportements normaux des enfants et que c'était les comportements même un comportement normal même de l'enseignant. Parce que quand ça vient des enseignants, bah, tu te dis, bah, si c'est normal, du coup, si c'est un adulte qui le fait, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est normal. Et du coup, tu ne remets pas du tout en cause le comportement de l'adulte. Donc, je ne suis pas sûre que tous les enfants sachent qu'ils sont dans une situation qui n'est pas normale et qu'ils peuvent être aidés, malheureusement. Mais bon, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est vrai que il faut leur apporter de l'aide, quoi, et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure, Zaza. L'idée, quand on aime, on ne compte pas avec des gens sans doute sincères qui ont accepté un poste pour défendre une conviction et d'autres qui ne sont là que pour un intérêt, salaire, politique, pouvoir, effectivement. Effectivement. C'est vraiment un des principaux problèmes de l'engagement associatif militant. C'est qu'il y a des gens qui viennent par intérêt, et puis il y a des gens qui viennent par conviction. Et ceux qui viennent par conviction se font bouffer, en fait. Ils se font bouffer. Ils se font broyer, ils se font... voilà. Donc si j'ai un conseil à donner à des personnes qui sont engagées ou qui sont convaincues ou qui ont des grandes convictions, ne travaillez pas dans le domaine associatif. Ne travaillez pas là-dedans. Vous allez vous faire bouffer. C'est malsain, en fait. C'est très malsain. Si vous voulez travailler dans le domaine associatif, ne le faites pas par conviction. Faites-le par intérêt. Parce que du coup, vous allez comprendre tout de suite, dès lors que vous serez surchargé ou dès lors que vous serez en... vous allez tout de suite le voir et du coup, vous allez tout de suite prendre du recul par rapport à ça. Bonne journée, Mara. Prenez soin de vous. Oui, t'as raison. Prends soin de toi aussi. Tu es harcelé et tu te défends. C'est ça, en fait. Mais tu estimes que t'as le droit de te défendre parce que c'est pas normal qu'on te harcèle et en même temps... Tu sais pas, en fait, que c'est du harcèlement. Enfin, c'est compliqué. Bref. Et on va faire un tour sur... Justement, là, on a un mâle isolé. On le retrouve tout en haut de la cheminée de ventilation. Lui, c'est vraiment infidèle, puisqu'à chaque visite du monument, on le retrouve systématiquement au même endroit. Donc là, on voit vraiment tout le guano qui est produit. C'est a priori par le même individu depuis plusieurs années. En période de reproduction, la plupart des chauves-souris forment des colonies matriarcales en excluant complètement les mâles des colonies de reproduction. Et donc on va retrouver les mâles de manière isolée, un peu dans tout le bâtiment. On est sur la commune de Sals-le-Château, sur un site un peu particulier. Il a été classé d'intérêt international pour les chauves-souris, mais surtout pour la diversité d'espèces que le monument accueille. 12 espèces de chauves-souris sur les 35 espèces de chauves-souris en France, c'est assez intéressant. Et du coup, moi, mon travail ici, ça va être d'essayer de concilier l'accueil du public dans le monument et la conservation des chauves-souris. C'est des animaux qui sont un peu mal aimés, hein. On pense à Dracula, on pense aux vampires, aux suceurs de sang. Alors en fait, c'est des animaux qui sont vraiment fabuleux. C'est les seuls mammifères volants, hein, du règne animal, qui sont capables de vol actif. Voilà, donc là, on arrive dans des écuries. On peut trouver des chauves-souris sur les voûtes. On les repère par leurs excréments, qu'on appelle du guano. Et là, on voit qu'il y a pas mal de guano assez gros. Donc voilà, on en a une ici, entre les deux briques. Dans le mur. Donc ça, c'est un petit murin. C'est une des espèces qui est les plus imposantes qu'on peut retrouver dans le monument. C'est une des espèces, justement, que vise à protéger le réseau Natura 2000. Une espèce considérée rare et menacée à l'échelle de l'Union européenne. Alors elle est menacée, un peu comme toutes les espèces de chauves-souris, hein, de par l'utilisation des pesticides, qui va en grande partie diminuer leurs ressources alimentaires, dans la mesure où toutes les espèces de chauves-souris en France sont insectivores.
Après, on va avoir aussi des menaces sur leur déplacement. Les chauves-souris utilisent un système de sonar d'ultrason, donc elles ont besoin d'obstacles pour se déplacer. Du coup, elles ont beaucoup utilisé les haies bocagères pour pouvoir se déplacer. La disparition des haies va fragmenter leur habitat. Là, on est sur un secteur qui accueille du public, qui est en libre accès. Là, on va passer dans les contre-mines, qui sont en fait des galeries dans les murs d'enceinte de la forteresse. Sur le monument, il y a environ un quart du château qui est visité par le public. Tout le reste du château n'est pas du tout utilisé par le public. C'est surtout dans ces espaces-là qu'on va retrouver le plus de chauves-souris. L'idée, c'est de vraiment conserver les secteurs où il y a le plus de chauves-souris, de les sanctuariser et d'interdire toute pénétration humaine dans ces espaces-là. Là, on en a un grand rhinolin. C'est l'espèce qui est en plus grand nombre, avec les plus grands effectifs dans le monument. C'est une espèce un peu particulière, puisqu'elle a un nez très développé, qu'on appelle en forme de fer à cheval, qui lui permet de récupérer les ultrasons. Donc c'est une espèce qui se déplace très très bien dans le noir, et qui va avoir l'habitude de s'installer plutôt dans les greniers. Une autre particularité aussi dans le monument, c'est que la forteresse est construite sur des sources. Et c'est aussi ce qui en fait son intérêt pour les chauves-souris, puisque les chauves-souris, en période d'hiver, pendant l'hibernation, ont besoin d'avoir un taux d'hygrométrie très important pour éviter de se dessécher. Les chauves-souris sont cavernicoles pour la plupart, qui vivent dans des grottes. Et les grottes sont de plus en plus fermées parce que utilisées par le public, par les spéléologues par exemple. Donc les chauves-souris vont se rabattre dans des monuments comme ici, qui reproduisent un peu les mêmes conditions que dans des grottes, simplement. Et d'autres espèces qui utilisaient les granges, les granges sont de plus en plus réhabilitées par les humains. Du coup, les chauves-souris vont se rabattre dans des espaces qui sont encore ouverts. Alors, je me connecte à une caméra infrarouge qu'on a installée au quatrième niveau dans la plus grosse colonie de reproduction qu'on a dans le monument. Donc on peut avoir une colonie qui monte à pas loin de 400 individus en plein été. Donc en fait, on a deux espèces, le grand rhinolof, qui est l'espèce qu'on voit pendre avec les ailes vraiment refermées sur elle ici, et le miniopter de Schreber. C'est vraiment une espèce à très fort enjeu, puisque déjà c'est une espèce strictement méditerranéenne. Dans les années 60-70, on pouvait avoir jusqu'à 400-500 individus qui venaient se reproduire dans le monument. Je pense qu'effectivement, l'accueil du public dans le monument, à partir des années 80, a obstrué certains accès, ou en tout cas a produit du dérangement pour cette espèce-là qui a déserté le site en période de reproduction. Par contre, on voit que cette espèce a encore la mémoire du site, puisqu'on la retrouve toujours en période de transit. Et c'est pour cette espèce, justement, qu'on a mis en place un certain nombre d'aménagements pour espérer la retrouver en période de reproduction. Trop mignon. On va ressortir et retrouver les espaces qui sont visités du public. Le miniopter de Schreber, quand elle a les ailes déployées, elle fait une envergure assez importante, 40 cm à peu près. Ce qui fait que cette espèce, elle a besoin d'avoir des grands espaces bien ouverts pour s'introduire dans ses gîtes. La problématique ici, c'est qu'au moment de l'ouverture au public du monument, la plupart de ces ouvertures ont été fermées par des portes comme on voit ici. Donc on a travaillé avec le Centre des Monuments Nationaux pour enlever ces portes et les remplacer par un système qui empêche le public quand même d'accéder dans ces espaces qui sont importants pour les chauves-souris. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On l'a remplacé par une barrière basse qui permet d'avoir un plus grand espace d'ouverture pour les chauves-souris. On a également installé des filets qui empêchent aux deux chats présents dans le monument de s'introduire dans ces espaces-là, puisque les chats sont aussi une des grandes menaces pour les chauves-souris puisqu'elles les prédatent. Il y a un grand rhinolof juste là. Là, on est vraiment au septième niveau du donjon. C'est une terrasse qui se trouve vraiment le niveau le plus haut du donjon. Et ça nous permet de bien se rendre compte un peu de la position du monument dans le paysage. On est sur une plaine viticole. Les viticulteurs, du coup, on travaille beaucoup avec eux pour les sensibiliser un peu à l'intérêt d'essayer d'avoir des chauves-souris autour de leur exploitation. On les encourage de passer de l'utilisation de produits pesticides, d'insecticides, à des opérations de lutte biologique, d'attirer les chauves-souris vraiment au plus proche de leur vigne, parce que les chauves-souris donc, sont des prédateurs de certains ravageurs de la vigne. Donc les différentes actions qu'on a pu mettre en place pour gérer un peu leur zone d'alimentation sont variées. Ça peut aller de la plantation de haies à la gestion des surfaces herbacées, avec par exemple l'aide à l'installation d'éleveurs pour essayer de mettre en place des troupeaux extensifs, pour essayer voilà, d'améliorer les espaces ouverts, la ressource alimentaire des chauves-souris, etc. Et également, on organise la journée de la chauve-souris.
depuis plusieurs années. On utilise un peu l'attrait, l'attractivité de ce monument par le public pour les sensibiliser sur la présence des chauves-souris, sur leurs menaces, sur leur biologie, pour essayer de faire tomber plein de mythes, à savoir les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux, les chauves-souris voient très bien la journée et la nuit, les chauves-souris ne pullulent pas comme les rongeurs. Les chauves-souris peuvent avoir une très bonne image et sont vraiment un mammifère fascinant, quoi. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors, j'adore les chauves-souris. Il y en a une juste devant la fenêtre, ici, à la maison, qui le soir sort et fait le tour autour de la fenêtre. Du coup, on n'a pas de moustiques et c'est trop bien. C'est trop bien. Et elle fait vraiment, elle vole tout autour là de... Là, je sais pas où est-ce qu'elle niche, mais elle est là, juste, elle sort toutes les nuits, enfin tous les soirs, je la vois régulièrement passer. Je trouve ça trop adorable, quoi. Mais c'est trop bien. Bah, du coup, je la regarde pendant, ça m'arrive comme ça, je me pose devant la fenêtre comme ça, je la garde voler. J'ai l'air un peu con, je sais, mais je m'en fous. Trop mignonne. J'ai beaucoup entendu Elisabeth Tébet en primaire, comme j'étais très bonne en maths, ça ne m'affectait pas ou peu, mais une autre Elisabeth aurait très bien pu ne pas dormir. Pas supporté. Pour moi, le harcèlement, ce n'est pas l'insulte, c'est vraiment l'effet sur la victime, d'où la nécessité de jamais douter de la parole de l'enfant. Se mal au ventre lundi matin, sans refus d'aller à l'école. Oui, t'as raison. Il y a une vidéo trop cool sur YouTube qui explique comment les chauves-souris font leurs besoins. C'est trop mignon. Comment elles produisent du guano. C'est trop mignon. On est bêtes, hein. On est bizarre quand même. Allez, un dernier article avant, et puis on va se laisser. Toc. Alors, on va parler des bassines, des méga-bassines. Les faits, le tribunal administratif de Poitiers a annulé mardi 3 octobre deux projets de réserve d'eau dite de substitution appelés méga-bassines par leurs opposants. Saisie par des associations de défense de l'environnement, la justice a pointé leur inadaptation aux effets du changement climatique. Un article de La Croix du 3 octobre encore. Elle se retourne sur elle-même. Trop mignon, trop mignon. Deux projets de retenue d'eau destinés à l'irrigation agricole en Poitou-Charentes, surnommés méga-bassines par leurs opposants, ont été annulés mardi 3 octobre par la justice administrative qui a pointé leur inadaptation aux effets du changement climatique. Ces projets attaqués par des associations de défense de l'environnement visaient à créer et exploiter 15 réserves dites de substitution d'une capacité totale d'environ 3 millions de mètres cubes. Leur principe consiste à prélever de l'eau dans les nappes superficielles en hiver pour la mettre à disposition d'agriculteurs irriguant en été, quand la pluie se fait rare. Des violents affrontements. Ces retenues sont très contestées dans la région où des manifestations d'opposants interdites par les autorités ont donné lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre autour d'une bassine en chantier à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Parmi d'autres projets en cours, le litige portait ici sur 9 retenues prévues sur les bassins de l'Aume et de la Couture dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, et 6 autres dans le sous-bassin de la Palue, dans la Vienne. Deux associations locales de défense de l'environnement alliées à l'UFC Que Choisir et à la Confédération Paysanne dans la Vienne, ainsi qu'à la Ligue de Protection des Oiseaux, avaient saisi le tribunal administratif de Poitiers pour faire annuler les arrêtés préfectoraux ayant autorisé en 2021 ces projets portés par des collectifs d'agriculteurs pour l'irrigation de leurs terres. Des inexactitudes épinglées. Une première décision consultée par l'AFP épingle des inexactitudes, omissions et insuffisances dans l'étude d'impact environnemental des 9 bassines programmées dans le bassin Aume-Couture. Ces dernières ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Le tribunal considère par ailleurs que le projet n'est pas associé à de réelles mesures d'économie d'eau et ne tient pas compte des effets prévisibles du changement climatique. Un surdimensionnement du projet. Dans la Vienne, les juges pointent un surdimensionnement du projet en termes de volume d'eau à prélever pour remplir les réserves, au regard de ce que le milieu hydrologique local est capable de fournir dans des conditions... Je me suis perdue là. Je sais pas, il a sauté. Dans des conditions écologiques satisfaisantes et compte tenu des effets prévisibles du changement climatique. Le tribunal conclut à une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource, défini par le Code de l'environnement. Et voilà. Remanon. Finalement, le méga bassine. Hein ?
Et bien, on va s'arrêter là, je pense. Un petit dernier. Un petit dernier. Quand c'est bien, on a envie de continuer. Allez, un petit dernier. Pour dénoncer ses voisins. Depuis 44 ans, elle est la concierge de cet immeuble. Chaque jour dans sa loge, c'est le même rituel. Michel s'installe discrètement à son poste d'observation. C'est un bon poste là. On me voit. Michel ne se cache pas pour dénoncer. N'importe quoi. Michel Lacombe, t'as raison. Allez, on va s'arrêter là parce que après, l'article après est très long et on aurait beaucoup de choses à raconter par rapport à tout ça. Donc on va s'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne journée. On va repasser sur ça. On n'a pas vu le chat ce matin. Hein, on n'avait pas vu le chat. On n'avait pas vu les chats. Je sais pas où ils sont. Ils sont pas venus ce matin. Ils sont sans doute avec mon amoureux. Ils s'occupent des chats. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, une bonne reprise. Moi, je serai pas là, probablement pas là demain parce que je dois aller au No Code Summit. D'ailleurs, si vous y allez, on peut se retrouver demain. On peut s'y voir, s'y croiser. Envoyez-moi un message. D'ailleurs, je vous envoie tout de suite le lien vers le Discord que vous avez peut-être déjà. Rejoignez-nous sur Discord. Demain matin, je dois partir un peu tôt. Du coup, je dois être à 8h30 à Paris. Donc, ça veut dire que je vais sans doute devoir partir à 7h30. Ça veut dire que je ne serai pas en live ou alors j'y serai très très tôt. Et je ne compte pas vraiment me réveiller à 5h30 pour faire une heure de live à 6h30 parce qu'il n'y aura personne. donc voilà. Mais je serai là mercredi matin si tout va bien. Et donc, tout ira bien parce que je serai là mercredi. Ouais, peut-être, alors attendez, parce que ça dépend à quelle heure je me couche, mais ça va être compliqué. Mais voilà, donc je serai là très bientôt, je serai là mercredi matin. Je vous souhaite donc un excellent lundi, un excellent mardi, une excellente semaine si on se revoit pas, parce que le matin, je comprends que vous soyez pas forcément partant pour venir très très tôt me dire bonjour, c'est difficile. Jeudi, je serai là. Et vendredi, je serai là, et même que je serai là jusqu'à 9h ou 9h30, probablement. Comme tous les jeudis, vendredis, vu que je serai en télétravail. Samedi, non. Non, le samedi et le dimanche, la plupart du temps, je serai pas là. Peut-être un samedi bientôt, mais peut-être une fois de temps en temps, mais pas samedi, voilà. Bonjour Yinche Galeux, au revoir Yinche Galeux. Donc, je vous souhaite donc un excellent lundi. Il est 8h48. Vous allez sans doute aller travailler. Moi, en tout cas, je vais aller bosser. Et je vous enverrai dans quelques secondes chez quelqu'un d'autre, je pense. En tout cas, d'ici là, on se revoit très bientôt. Des bises, à bientôt. Et au fait, j'ai oublié. Aimez-vous les uns les autres. Et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est hyper important. Vous le savez. À très bientôt. Salut.